Elle lime à l'unisson, de l'infiniment petit. Elle scie de l'or, de l'argent, des pierres fines. Est-ce que tu veux que je soude ou je reprenne ça? Ouais. Les duettistes travaillent sur une nouvelle collection, des bijoux faits main, des bijoux contemporains. Il y a beaucoup de textures, des fois c'est quasiment des défauts qui sont volontaires dans la pièce, donc on va trouver des pièces qui seraient, ce serait impossible de les faire à la machine. Quoi. L'atelier, c'est la ville de Cagnes-sur-Mer qui le fournit aux artistes. Alice Magnin y transmet son savoir-faire à sa stagiaire. Elle va être trop belle. Elle y pratique des techniques plus ou moins anciennes, comme la manipulation de ce laminoir, une invention de Léonard de Vinci, qu'elle utilise pour aplatir une bille d'or. Elle ornera des boucles d'oreilles. Sa voisine d'atelier, elle, travaille à l'aiguille. Elle coud un bijou parure. Moi, je suis plasticienne et je mène une recherche sur le bijou contemporain comme œuvre textile. Donc, à l'inverse de ma collègue qui travaille dans le tout petit, moi, je travaille plus avec des... C'est plus vaporeux. Des rubans de tissu et de cire qui enserrent des végétaux. Cette évocation des montagnes environnantes est née dans cette crypte, sous le musée du bijou contemporain. L'espace Solidor, la fierté de la ville. Robert Benz, trésor national vivant. Un Australien. La ville a beau organiser tous les ans des expositions internationales, le bijou contemporain ne fait la renommée de Cagnes-sur-Mer qu'à l'étranger. Cette information circule par le net, mais moins en ville, j'ai envie de dire, malgré les affiches, malgré beaucoup de choses que nous faisons. Mais il y a un travail structurel en permanence, et puis le fait que des artistes soient là en train de travailler, c'est très important pour vous aussi. Esti Grossman s'est installée dans le haut de Cannes il y a plus de 20 ans. La nature, le monde marin, ses inspirations sont organiques, et ce qu'elle fabrique se porte. La Canadienne aimerait croiser plus de créateurs en ville. Les gens, ils diront, ah ben oui, là, il se passe quelque chose vraiment dans le bijou contemporain. Et donc, je pense que c'est peut-être une solution d'ouvrir un peu des anciennes caves et mettre un peu plus d'artistes. Un nouvel élan, en somme. Un courant, une vague, qui ferait du bijou contemporain un art moins confidentiel.